commencé à travailler pour la collection Folio Classique chez Gallimard en 2010. Le gros chantier qu'on venait d'entreprendre, c'était la publication des essais de Montaigne. On a publié le fameux exemplaire de Bordeaux, c'est-à-dire l'édition de 1588 annotée par Montaigne. Et on a respecté cette typographie particulière, cette disposition entre le texte imprimé et les ajouts manuscrits de Montaigne dans les marges. Donc dans le folio classique, il y a différents niveaux de lecture, différentes tailles et corps de caractères. Donc c'est une édition très savante et objectivement assez difficile à lire. Et j'ai réfléchi à ça, donc j'ai d'abord, en arrivant dans cette collection, été tout à fait impressionnée par ce travail de très longue haleine, de grande ampleur. Ma prédécesseure avait dû traduire toutes les citations latines de Montaigne, et c'est pas une mince affaire. Donc j'ai été un peu surprise et fortement impressionnée par cela. Et ensuite j'ai réfléchi, et je me suis dit, finalement, cette difficulté de la lecture de Montaigne, cette difficulté objective d'accès à Montaigne, elle fait partie du plaisir du texte, du plaisir de la lecture. Lire Montaigne, c'est vaincre cette difficulté, et vaincre peut-être cette première appréhension que l'on peut avoir face à un texte objectivement complexe, par son montage même, par le fait même que Montaigne l'a réécrit en permanence tout au long de sa vie. Donc le grand mérite de la nouvelle adaptation de Bernard Combeau, c'est celui-ci, c'est de rendre accessible ce texte, et je dirais même de dédramatiser l'accès à Montaigne. Montaigne, c'est le plaisir de la relecture. Parce que d'abord, Montaigne, c'est l'art du bref. Ce découpage en chapitres nous permet une fréquentation régulière de Montaigne, nous permet d'y revenir, nous autorise aussi, je crois, à fermer le livre, à le laisser de côté, et puis, quelques jours, quelques mois, quelques années après, à y revenir, avec un nouveau regard, avec peut-être un peu plus de maturité, de connaissances. Lire Montaigne, c'est ce que j'appelle faire une lecture promenade, c'est-à-dire une déambulation. On peut se perdre, je crois qu'on n'a aucun ordre à respecter, on peut cheminer comme on veut dans ce texte magnifique et complexe. Je crois qu'on relit Montaigne comme on relit Proust, c'est-à-dire par épisode, et à l'aide de notre mémoire, à l'aide de nos souvenirs. On sait qu'on a lu tel épisode, telle scène marquante, qu'on a rencontré tel personnage, telle idée, telle phrase aussi, telle citation chez Montaigne ou chez Proust, et on a envie d'y revenir. Montaigne et Proust sont d'ailleurs deux auteurs qui ont beaucoup à voir, puisque ce sont tous deux, on pourrait dire, des hommes d'une seule œuvre, une œuvre qu'ils ont retravaillée toute leur vie, et leurs manuscrits le prouvent. On a publié récemment les épreuves corrigées de Du côté de chez Swann avec les fameuses paperolles, c'est-à-dire les additions manuscrites de Proust en marge sur des petits papiers collés. Proust est revenu durant de longues années sur son texte à la manière de Montaigne. Donc on a là deux textes très complexes qui fonctionnent comme un palimpseste, comme un puzzle, comme un montage. Et chez Montaigne, je crois que c'est tout à fait frappant, ce collage de citations. Citations latines, citations des autres auteurs que lui. Montaigne, c'est aussi l'art de la citation. Alors non pas par pédantisme, mais tout simplement parce que Montaigne a cette extraordinaire capacité à résumer une idée, une pensée, en quelques mots, en une phrase inoubliable. Ce qui me frappe chez Montaigne, c'est qu'il se présente d'abord comme un lecteur, avant de se présenter comme un auteur. Il a cette générosité de nous faire entrer dans sa tête, dans sa pensée, dans sa culture. Il nous transmet ce qu'a été son éducation, sa culture. Il est d'abord un passeur. Il nous transmet la tradition, la culture des auteurs, d'abord grecs et latins, et puis de ses contemporains. Donc il nous invite à nous mettre à sa place et à entrer dans sa pensée. Ce qui est aussi très émouvant chez Montaigne, me semble-t-il, c'est ce portrait qu'il fait de lui-même. Je suis moi-même la matière de mon livre. Cette entreprise de franchise, on la retrouvera, me semble-t-il, chez Rousseau,
avec toutes les ambiguïtés évidemment qu'on connaît sur cette notion de franchise, de sincérité, qui n'en est jamais une, bien sûr. Mais tout de même, il y a cette manière de vouloir s'offrir, se présenter, se mettre à nu dans toute sa culture. Ce sont des problématiques que l'on retrouve aujourd'hui avec la thématique de l'autofiction. Comment parler soi-même de soi-même? Comment tisser ce que je suis, ce que je voudrais être et ce que je devrais être? Montaigne, c'est enfin un traité de tolérance. Je trouve toujours très émouvantes ses évocations de la découverte du Nouveau Monde, dont il est le contemporain, ses évocations de la ville de Cusco, de la ville de Mexico. On se souvient que Montaigne fut un grand voyageur lui-même, qui voyagea en Italie, en Allemagne, un grand Européen avant l'heure. Montaigne agrandit notre univers mental. Il relativise nos certitudes. C'est en cela qu'il est exemplairement un humaniste. Je le rapproche de Descartes dans ses méditations métaphysiques qui met en doute la culture philosophique qui a toujours été la sienne. Il interroge les auteurs anciens, il les met en doute. Pour moi, Montaigne propose un scepticisme généreux. Il nous rend modestes et en cela, il nous rend meilleurs.